Comme le montre la vidéo de présentation, la Rover 75 utilise un nouveau système électrique. Cette vidéo, destinée aux techniciens, décrit ce système en 5 parties. La première partie concerne les systèmes de bus numériques. La deuxième partie décrit le fonctionnement du module GM6. La troisième partie concerne le faisceau principal. La quatrième partie décrit le fonctionnement du module de commande d'éclairage. Et enfin, la cinquième partie détaille le fonctionnement du système d'aide au stationnement et du capteur de pluie. Le système d'immobilisation EWS-3 a été décrit dans la vidéo de présentation de la Rover 75. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, nous vous recommandons de la visualiser avant de continuer. Voyons tout d'abord où sont situés les principaux éléments du système électrique. Il y a deux boîtes à fusibles. La boîte à fusibles principale est placée ici, dans le compartiment moteur, à côté de la batterie. Une boîte à fusibles supplémentaire est placée dans l'habitacle, derrière la boîte à gants. Pour accéder à cette dernière, il est nécessaire de déposer la garniture sous la boîte à gants. La plupart des relais sont rassemblés dans ces deux boîtes à fusibles. Mais selon la configuration du véhicule, vous pourrez trouver les relais de certains systèmes placés ailleurs. Leur position exacte est indiquée dans la bibliothèque de référence électrique. À propos, les schémas électriques sont identiques à ceux des modèles Rover précédents. Les schémas de la Rover 75 décrivent en plus les bus numériques. Première partie, architecture du système. Comme vous le savez, le système électrique de la Rover 75 est un système multiplexé. Le multiplexage est une technique permettant la communication entre les différents modules de commande du véhicule. Cette technique permet à l'information fournie par un seul capteur d'être échangée avec un certain nombre de boîtiers du véhicule. Les informations fournies par les capteurs et contacteurs sont converties par l'un des ECU en un signal numérique. Ce signal est ensuite transmis aux autres ECU par l'intermédiaire du réseau numérique multiplexé. Les ECU de la Rover 75 sont reliés les uns aux autres par 3 bus numériques. Le nom de bus est utilisé car les messages sont transportés d'un ECU à l'autre. Cette partie de la vidéo décrit 2 de ces 3 bus, appelés bus CAN et bus K. Un peu plus loin dans ce programme, nous parlerons également de la ligne de diagnostic et de 2 autres bus indépendants, appelés bus de glace électrique et bus du système de navigation par satellite. Les bus numériques ne sont pas tous identiques, mais dans un premier temps, nous pouvons comparer leur fonctionnement à celui d'un réseau téléphonique. Le réseau téléphonique, par exemple, permet à plusieurs personnes de dialoguer. Les dialogues sont transmis d'une personne à l'autre par seulement 2 fils. Le téléphone convertit le langage en signaux électriques qui sont transmis par ces fils à un autre téléphone qui, à son tour, reçoit ces signaux et les convertit dans le langage approprié. Le système est bidirectionnel et permet de dialoguer dans un sens comme dans l'autre. Sur la Rover 75, l'information fournie par un seul capteur, par exemple le capteur de vitesse de roue, peut être utilisée pour informer plusieurs modules de commande. Cette technique permet de réduire le nombre de fils et de capteurs. Ainsi, le multiplexage a l'avantage de réduire la complexité des faisceaux électriques. Ceux-ci sont plus légers, moins chers et plus fiables du fait de la réduction du nombre de fils et de connexions. Voyons maintenant plus en détail le fonctionnement du bus numérique CAN. CAN signifie réseau de contrôle local. Ce bus numérique, développé par Bosch, devient une norme dans l'industrie européenne. Le bus CAN est un bus à haut débit qui relie les modules de commande entre eux par une paire de fils torsadés. L'un est jaune-noir, l'autre est jaune-marron. Ces fils non blindés sont torsadés afin de minimiser les interférences électriques avec d'autres circuits, la radio par exemple. Les deux fils transmettent l'information.
Et pour que le bus CAN fonctionne, les deux signaux doivent être présents. Étant donné que le bus CAN est le plus rapide des bus de la Rover 75, il est utilisé là où la vitesse de communication est vitale, par exemple entre les systèmes de gestion moteur, de boîte de vitesse automatique et d'anti-patinage électronique. Comme nous l'avons mentionné précédemment, le bus CAN est constitué d'une paire de fils torsadés. L'un de ces fils est appelé CAN bas et l'autre CAN haut. Le CAN bas commute entre 2,5 V et 1,5 V. Alors que le CAN haut commute entre 2,5 V et 3,5 V. Lorsque les deux lignes du bus sont à 2,5 V, il n'y a pas de différence de potentiel entre elles. Cet état est appelé état récessif et correspond au 1 logique. D'autre part, si le CAN haut est commuté à 3,5 V et le CAN bas à 1,5 V, la différence de potentiel entre les deux lignes est de 2 V. Cet état est appelé état dominant et correspond à la valeur logique 0. Les deux lignes du bus CAN sont toujours commutées simultanément, de manière à ce qu'en conditions normales de fonctionnement, la différence de potentiel entre les deux soit toujours de 2 V ou de 0 V. Ainsi, un signal numérique peut être transmis par un ECU. Ce signal est constitué d'une trame de 0 et de 1. En termes informatiques, un 0 ou un 1 est appelé digit binaire et le bus CAN est capable de transmettre un demi-million de digits binaires d'informations par seconde. En rassemblant un minimum de 44 digits binaires jusqu'à un maximum de 108, on crée un message. Cela peut paraître évident, mais un message doit toujours comporter un début et une fin. Au début du message, il y a un identifiant qui renseigne le système sur le type de contenu et la priorité du message. Le bus CAN répond toujours au message dont la priorité est la plus élevée. Le message contient également un champ de contrôle. Ce champ contient des informations concernant la taille des données présentes dans le champ suivant. Le champ suivant est appelé CRC, qui signifie contrôle cyclique de redondance. Ce champ permet de contrôler l'intégrité du message, et si une erreur est détectée, le CRC indique à l'ECU qu'il faut ignorer le message. Dans ce cas, l'ECU ne valide pas le champ d'accusé de réception. L'ECU qui a émis le message sera alors informé qu'une erreur s'est produite lors de la transmission. Le message sera immédiatement retransmis dans le format correct. Les calculs indiquent qu'un message sur 10 milliards peut contenir une erreur. L'expérience montre que ce chiffre est correct, prouvant ainsi que le système de bus numérique CAN est tout à fait fiable. L'avant-dernier champ constituant le message est appelé champ de confirmation. Ce champ est utilisé par l'ECU récepteur pour indiquer à l'ECU émetteur que le message a bien été reçu et compris. Les messages sont envoyés continuellement jusqu'à la réception de l'accusé de réception et sont ensuite traités dans l'ordre de priorité. Lorsque plusieurs messages sont transmis simultanément par une ou plusieurs unités de contrôle, les messages de faible priorité sont temporairement ignorés pendant que le système traite les messages prioritaires. L'ECU qui a transmis le message de faible priorité reconnaîtra que son message n'a pas été pris en compte et cesse la transmission pendant un certain temps. En plus de la communication entre les modules de contrôle du groupe motopropulseur, le bus CAN est connecté au groupe d'instruments qui constitue l'interface entre les différents bus numériques. Bien que le testbook ne puisse pas contrôler directement le bus CAN, celui-ci peut interpréter les messages envoyés à chacun des ECU. Ceci vous permettra d'effectuer le diagnostic de panne du bus CAN. Le testbook est un outil qui vous guidera et vous assistera dans la recherche de panne. Par expérience, vous pourrez interpréter certaines informations clés.
Par exemple, si le contour et la jauge de température de liquide de refroidissement fonctionnent, cela indique que la liaison numérique CAN entre l'ECM et le groupe d'instruments fonctionne correctement. De même, si l'affichage du rapport de boîte sélectionné pour les véhicules équipés d'une boîte automatique fonctionne, cela indique que la liaison CAN entre le boîtier de gestion de boîte de vitesse et le groupe d'instruments fonctionne également. En revanche, si l'une des fonctions du groupe d'instruments en rapport avec le bus CAN ne fonctionne pas, le problème est certainement lié à un dysfonctionnement du bus CAN. Dans ce cas, et en suivant les instructions fournies par le testbook, un multimètre peut être utilisé pour contrôler la continuité et la polarité des fils du bus CAN. Il est néanmoins important de noter que les contrôles effectués à l'aide du multimètre doivent toujours se conformer aux instructions fournies par le testbook. En tant que technicien, vous apprécierez le fait que les ECU sont fiables et que la plupart des pannes sont dues à une anomalie du faisceau ou à une mauvaise connexion. C'est dans ce sens que l'utilisation du bus CAN joue un rôle important, du fait qu'il possède moins de connexions que les systèmes conventionnels. Dans le cas d'une détérioration du faisceau du bus CAN, il est possible de le réparer. Les instructions de réparation doivent être appliquées précisément car cette opération, qui n'est pas difficile en soi, requiert une certaine précision. Une mauvaise réparation entraînera un dysfonctionnement du bus CAN. Le système du bus K est légèrement moins rapide que le bus CAN. Il utilise un simple fil de couleur blanche avec un liseré rouge et jaune. Ce dernier est capable de transférer 9600 digits binaires de données par seconde. Du fait qu'il soit moins rapide que le bus CAN, le bus K est utilisé pour des systèmes moins exigeants en termes de rapidité. Ainsi, le bus K est utilisé pour la communication entre les systèmes électroniques de carrosserie et le groupe d'instruments. À propos, l'appellation bus K vient du terme allemand carrosserie, avec un K. Le bus K commute entre 0 et 12 volts. Sa faible impédance le rend insensible aux interférences électromagnétiques. C'est un système principalement commandé par des événements, c'est-à-dire que les messages ne sont transmis que sur demande, par exemple pour allumer les feux ou ouvrir le toit ouvrant. Comme pour le bus CAN, chaque ECU convertit les informations fournies par les capteurs ou contacteurs en signaux numériques pour les transmettre sur le bus K. L'ECU récepteur convertit à nouveau ce signal de manière à pouvoir l'interpréter. Un message du bus K est appelé télégramme et est constitué de plusieurs parties qui contiennent chacune un certain nombre de digits binaires. Tous les ECU possèdent une adresse d'identification. Cette adresse constitue la première partie du message ou du télégramme. Comme pour le bus CAN, le bus K gère les messages en fonction des priorités. Chaque ECU possède un niveau de priorité défini. Par exemple, le module de commande de carrosserie GM6 possède le niveau de priorité le plus élevé. Ces messages sont donc prioritaires par rapport à tous les autres messages transmis au même moment. Chaque ECU qui est connecté au bus K contrôle en permanence l'activité du réseau. Lorsque l'un des ECU souhaite transmettre un message, celui-ci attend que le bus soit inactif avant d'envoyer son télégramme. L'ECU contrôle ensuite que son propre message lui est bien retourné. Si ce n'est pas le cas, cela signifie qu'un autre ECU, dont la priorité est plus importante, a transmis un message au même moment. Le CU attend alors que l'activité du bus cesse pour envoyer de nouveau son message. Lorsqu'il reçoit son propre message en retour, il sait que la transmission s'est passée correctement. Enfin, il est important de noter que les télégrammes du GM6 sont prioritaires et que le bus K et le bus CAN sont connectés au groupe d'instruments. Le groupe d'instruments joue un rôle très important dans le système de multiplexage de la Rover 75. Il est semblable à un standard téléphonique par lequel tous les messages doivent transiter pour passer d'un bus à un autre. Du fait des différents protocoles utilisés par les différents bus,
Le groupe d'instruments possède un microprocesseur capable de convertir et de transmettre les signaux d'un bus à un autre. Le groupe d'instruments peut être décrit comme l'interface de tous les bus numériques du véhicule. Un troisième bus est connu sous le nom de bus de diagnostic. Ce bus est connecté directement au groupe d'instruments, à l'OCM de gestion moteur, à l'ECU d'ABS, à l'ECU d'antipatinage si le véhicule en est équipé, à l'ECU JATCO pour les véhicules automatiques, ainsi qu'au module de commande SRS. La ligne de diagnostic permet au testbook de communiquer avec chacun de ces systèmes. Le testbook peut également accéder aux autres ECU du véhicule en passant par le groupe d'instruments. La ligne de diagnostic n'utilise qu'un seul fil rose et blanc pour transmettre 10 400 digits binaires par seconde. Son fonctionnement est semblable à celui du bus K et est relié au testbook en connectant l'adaptateur rouge à la prise diagnostique située au-dessus des pieds du conducteur. Il est nécessaire d'utiliser un disque de diagnostic spécifique pour la Rover 75. Assurez-vous également que le testbook utilise la dernière mise à jour du logiciel RDS. Une nouvelle caractéristique du testbook pour la Rover 75 concerne le code d'identification de la configuration. Ce code, programmé en usine, contient une information permettant d'identifier la configuration du véhicule. Ce code est enregistré dans les trois boîtiers suivants. Le groupe d'instruments, l'OCM et l'ECU d'immobilisation moteur. Lorsque le testbook est connecté, ce dernier lit le code d'identification de la configuration. Ceci peut prendre quelques minutes. Grâce à ce code, le testbook affiche les icônes relatives aux différents systèmes dont le véhicule concerné est équipé. Précédemment, par exemple, pour la Rover 800, le testbook affichait tous les diagnostics disponibles, quelle que soit la configuration du véhicule. Il est également possible, si nécessaire, de lire les codes de panne de tous les ECU du véhicule en une seule opération. Mais attention, cette opération peut prendre plusieurs minutes. La rubrique intitulée « Affichage en temps réel » a également été modifiée. Les modifications apportées concernent notamment les informations fournies pour vous aider dans vos diagnostics. En plus de la ligne de diagnostic, il existe deux autres bus numériques. Ce sont les bus de lève-glace électrique et du système de navigation par satellite. Le bus de lève-glace électrique ou bus de vitre est constitué d'un seul fil qui relie le module de commande de la porte conducteur au module de gestion de carrosserie GM6. Ce bus gère le fonctionnement des lève-glace électriques. Le GM6 reçoit directement les signaux émis par les contacteurs des autres portes. Le fonctionnement du système de navigation par satellite est détaillé dans une autre vidéo. Notez cependant que le système de navigation standard possède un bus numérique spécifique pour permettre l'affichage des données de navigation sur le groupe d'instruments. Toutes les autres informations fournies au calculateur du système de navigation, aussi bien pour le système standard que pour le système haut de gamme, transitent par le bus K ou par une liaison conventionnelle. Deuxième partie, le module de commande de carrosserie GM6. Le module de commande GM6 vous a déjà été présenté dans la vidéo de présentation de la Rover 75. C'est un nouveau module de commande connecté au bus K et placé derrière la boîte à gants. Le GM6 est l'équivalent du CCU de la Rover 800. Il existe deux versions du GM6. La version standard, qui est de couleur beige et contrôle les systèmes suivants. Les glaces électriques avant. L'alarme, le système de climatisation standard, le système de recirculation d'air, l'éclairage intérieur, les essuie-glaces, la lunette arrière chauffante et le verrouillage centralisé.
La version haut de gamme du GM6, qui est de couleur noire, contrôle les mêmes systèmes que la version standard, mais contrôle en plus les lèvres-glaces électriques arrière. Certaines fonctions de la Rover 75 peuvent être configurées à l'aide du testbook. Il serait trop long de décrire chacune de ces options, mais voyons les plus importantes, telles que le mode transit. La Rover 75 pourra, dans certains cas, être livrée en concession en mode transit. Il sera alors nécessaire d'utiliser le testbook pour le désactiver. Le mode transit permet de limiter le fonctionnement de certains systèmes afin de limiter la consommation de courant et la décharge de la batterie. Par exemple, le système d'alarme est désactivé, ainsi que le toit ouvrant et les vitres électriques arrière, si le véhicule en est équipé. De même, lorsque le mode transit est actif, les portes arrière et le coffre restent verrouillés. Ceci permet de limiter les dégradations pendant le transport du véhicule. C'est certainement le système d'alarme et de verrouillage qui propose le plus d'options de configuration selon les marchés et les préférences du client. L'activation ou la désactivation des options s'effectue à l'aide du testbook. Selon le marché concerné, les fonctions suivantes peuvent être programmées. Le point d'accès unique, le verrouillage à distance, l'activation ou désactivation de la sirène auto-alimentée, l'ouverture de la glace par impulsion, l'anti-coincement, l'alarme volumétrique. La fonction fermeture par impulsion est disponible pour la glace conducteur sur les véhicules équipés du système anti-coincement. Cette fonction peut être sélectionnée à l'aide du testbook. Troisième partie, le faisceau principal. Le faisceau principal parcourt sur toute la longueur du véhicule des feux avant aux feux arrière et se connecte au faisceau individuel de chacune des portes. Le faisceau de toit ouvrant, qui est également séparé, est intégré au pavillon. Le faisceau comporte un certain nombre de nouveaux types de connecteurs. Ceux-ci requièrent un outillage spécial pour leur dépose et leur remplacement. Le faisceau peut être réparé par section. Ces sections de faisceau peuvent être obtenues auprès du service pièces et sont reliées au faisceau principal par épissure soudure. Pour effectuer une réparation de qualité, il est indispensable d'utiliser le kit de réparation prévu à cet effet. À propos, les fils torsadés du Buscan, le fil du Buscaï ainsi que le fil de la ligne de diagnostic sont intégrés au faisceau principal, de même que le faisceau SRS. Le faisceau principal peut être réparé en se procurant la section concernée et en effectuant les épissures. Quatrième partie, le module de commande d'éclairage. Le module de commande d'éclairage, ou LSM, vous a déjà été présenté dans la vidéo de présentation de la Rover 75. Placé sur le côté du tableau de bord, le LSM est constitué d'un ECU et d'un ensemble de contacteurs. Le LSM contrôle le réglage de la hauteur des phares, l'éclairage du groupe d'instruments et l'éclairage extérieur à l'exception des feux de recul. Ces derniers sont commandés directement par le contacteur placé sur la boîte de vitesse manuelle ou par le sélecteur de la boîte de vitesse automatique. Le LSM effectue également un contrôle de fonctionnement des ampoules et informe le conducteur lorsqu'une panne est détectée. Lorsque le LSM est défectueux, un mode de secours est activé. Ce mode allume automatiquement les feux de croisement et les feux de position arrière, quelle que soit la position du contacteur de commande. En mode secours, les feux de stop restent opérationnels. En condition de fonctionnement normal, le LSM désactive ce mode secours. Cependant, si la tension batterie chute à moins de 6 volts, le mode secours est automatiquement activé. Une nouvelle fonction du LSM concerne le mode de dépannage des feux de position arrière. Si une ampoule de feu de position arrière est défectueuse, le feu de stop correspondant sera allumé avec une intensité réduite identique à celle du feu de position. Le LSM assure également la fonction de temporisation des phares appelés phares de courtoisie. Cette fonction permet de laisser les phares allumés pendant un certain temps après avoir quitté le véhicule.
La temporisation est initialement de 30 secondes et peut, si nécessaire, être désactivée à l'aide du test boucle. Certains marchés exigent que certains éclairages soient allumés lorsque le véhicule roule ou que le contact est mis. Cette fonction est appelée feu de circulation de jour et ne dépend pas de la position du contacteur d'éclairage. Cette option peut également être activée ou désactivée à l'aide du test book. Lorsque la fonction du feu de circulation de jour est désactivée, l'éclairage extérieur ne peut être commandé qu'à l'aide du contacteur d'éclairage. Lorsque la fonction est active, les feux de croisement, l'éclairage de la plaque minéralogique, les veilleuses ainsi que les feux de position arrière sont allumés dès que le contact est mis. Il y a deux autres points importants à noter concernant le LSM. Tout d'abord, lors du montage d'un attelage de remorque, un module d'éclairage de remorque spécifique doit être installé. Ce module permet d'isoler les consommateurs électriques de la remorque. Le montage de ce module doit être effectué par un concessionnaire. Lorsque le module est présent, les feux de brouillard arrière sont automatiquement éteints lorsque la remorque est connectée et le contrôle de fonctionnement de l'éclairage de la remorque est également assuré. Enfin, n'oubliez pas que pour remplacer le LSM ou les contacteurs de commande d'éclairage, il est important de suivre la procédure décrite dans le manuel d'atelier. Rappelez-vous également que lors du montage de projecteurs anti-brouillard, il est nécessaire de remplacer les contacteurs de commande d'éclairage. Pour cela, référez-vous au manuel d'atelier. Cinquième partie, système d'aide au stationnement et capteur de pluie. Le système d'aide au stationnement vous a déjà été présenté dans la vidéo de présentation de la Rover 75. Le système est composé de 4 capteurs à ultrasons placés sur le pare-choc arrière, d'un ECU placé dans le coffre, d'un haut-parleur indépendant, d'une interface avec le Busca. Pour activer le système, le conducteur doit passer la marche arrière et si le contact est mis, un bip sonore doit retentir. Les capteurs agissent alternativement comme émetteur et récepteur. Le ECU commute leur mode de fonctionnement plusieurs fois par seconde. En mode émetteur, ils émettent des ondes ultrasons. En mode récepteur, ils détectent les ondes réfléchies. La portée du système est de 1,50 m, directement derrière le véhicule et de 60 cm de part et d'autre du pare-choc arrière. À mesure que le véhicule s'approche de l'obstacle, la fréquence des bips augmente. Lorsque le pare-choc est à 35 cm de l'obstacle, le haut-parleur émet un son continu avertissant le conducteur qu'il doit s'arrêter. Le système est extrêmement précis et peut détecter un poteau ou une clôture grillagée. Le système n'est cependant pas totalement infaillible. Le conducteur doit être averti qu'un obstacle trop bas peut ne pas être détecté. Lorsque le ECU détecte une panne du système, le conducteur en sera averti par un bip continu de 5 secondes lorsque la marche arrière est sélectionnée. Ce signal sonore indique que le système est inopérant. Les pannes permanentes et intermittentes sont enregistrées dans la mémoire de l'ECU. L'ECU peut également détecter des défauts de connexion. Sa mémoire peut être interrogée à l'aide du test book. Pour éviter que le système n'émette un bip lorsque le sélecteur de la boîte de vitesse automatique passe par la position marche arrière, une temporisation d'environ une seconde est appliquée avant que le système ne soit activé. Pour standardiser les systèmes, cette temporisation est également appliquée aux véhicules équipés d'une boîte de vitesse manuelle. Bien entendu, lorsqu'une remorque est attelée au véhicule, le LSM envoie un message au système d'aide au stationnement pour désactiver ce dernier. Une autre fonction disponible est le capteur de pluie. Cette fonction est contrôlée par le GM6 et permet de régler automatiquement la fréquence de balayage intermittent des essuie-glaces.
Le système est constitué d'un prisme, d'un ECU et d'une connexion au bus K. L'ECU lui-même comprend un émetteur-récepteur infrarouge, un élément chauffant, une cellule photoélectrique et un microprocesseur. Le principe de fonctionnement du capteur de pluie est basé sur le fait que la quantité de lumière réfléchie par le pare-brise dépend de l'état de sa surface, qui peut être sale, humide ou sèche. La lumière infrarouge émise par l'émetteur est dirigée sur le pare-brise par l'intermédiaire du prisme. Lorsque la lumière parvient à la surface extérieure du pare-brise, celle-ci est réfléchie vers le récepteur infrarouge. Le récepteur mesure alors l'intensité de la lumière réfléchie et, si le pare-brise est propre et sec, la totalité de la lumière émise est réfléchie. En revanche, si le pare-brise est humide à proximité du capteur, une partie de la lumière infrarouge est dispersée par les gouttelettes d'eau. La lumière réfléchie vers le récepteur infrarouge est donc moins importante et l'ECU commande le balayage des essuie-glaces. Plus le pare-brise est humide, moins la lumière infrarouge est réfléchie vers le récepteur et vice-versa. L'ECU est donc capable de déterminer l'état du pare-brise et de commander le balayage de manière appropriée. Un réchauffeur est également intégré au capteur de pluie pour assurer le désembuage ou le dégivrage du pare-brise à proximité du capteur. Une cellule photoélectrique permet d'augmenter la sensibilité du système la nuit pour minimiser l'éblouissement du conducteur par les phares lorsque le pare-brise est humide. Pour un fonctionnement plus précis, un signal de vitesse du véhicule est fourni à l'ECU du capteur de pluie toutes les 2 secondes. Cette information permet à l'ECU de contrôler la sensibilité du système en fonction de la vitesse du véhicule. Enfin, la sensibilité du capteur de pluie peut également être ajustée par le conducteur à l'aide du potentiomètre de réglage prévu à cet effet. Ainsi s'achève ce programme concernant les systèmes électriques de la Rover 75. L'utilisation de la technologie du multiplexage en fait un véhicule unique dans la gamme Rover. Cette technique qui, au premier abord, peut paraître complexe, vous sera bientôt familière.